La semaine prochaine dans Ici Tout Commence, Billy est là pour réconforter une autre élève qui quitte son copain. Et découvre, au passage, qu'il a déjà remplacé. Attention, cet article contient des spoilers à propos de la suite d'Ici Tout Commence. Une page se tourne pour Pénélope. C'est ce que nous confirme un extrait inédit de l'épisode d'Ici Tout Commence du mercredi 22 novembre dévoilé en avance par TF1. Dans cette scène, on retrouve Pénélope, Laurence Facelina, rivée sur son téléphone à la machine à café, avec une boîte de mouchoirs à portée de main. Au même moment, Billy, Margot Aguilar, qui descend de l'escalier derrière elle, l'aperçoit et la rejoint, constatant que ce n'est pas la grande forme chez sa filleule de promo. Pénélope est désormais célibataire. Pénélope lui apprend alors qu'elle vient de raccrocher avec Baptiste et que le couple s'est officiellement séparé, après 15 ans de relation. Une nouvelle qui semblait inévitable tant Pénélope et Baptiste n'étaient plus du tout sur la même longueur d'onde, Pénélope rapportant régulièrement depuis la rentrée que son compagnon ne comprenait pas sa volonté de reconversion et de reprendre ses études, lui qui voulait se marier, acheter une maison et avoir des enfants avec elle. Le couple avait même fini par faire une pause, qui n'en est donc pas resté là. Pénélope fait ensuite part de sa déception vis-à-vis de la manière dont cette séparation s'est passée. Elle qui imaginait que tous les deux seraient en larmes et se remémoreraient tous les bons souvenirs à garder de leur relation, elle a finalement fait face à un homme étonné, croyant qu'elle avait déjà rompu. Cerise sur le gâteau, Baptiste lui a appris qu'il est déjà de nouveau en couple, en l'occurrence avec une de ses collègues qui a plus de 10 ans de moins que Pénélope. Pénélope peut compter sur le soutien de Billy. Billy tente alors de remotiver son ami, tout en métaphore. Elle lui explique que sa relation s'est certes tristement terminée à distance en bas d'un banal escalier mais que cela signifie qu'elle se situe donc désormais au parfait endroit pour gravir à nouveau cet escalier. En clair, Pénélope ne devrait pas se laisser abattre et rebondir dès à présent. La trentenaire se laisse convaincre. Billy parvient même à décrocher un rire de la jeune femme en lui avouant qu'en réalité, elle trouvait que Baptiste ne la méritait pas, le trouvant sinistre. La scène se conclut dans la joie, avec les deux élèves de l'institut qui montent ensemble les marches de l'escalier, comme si elles étaient sur un tapis rouge et montaient les marches d'un prestigieux festival. Alors, que va faire Pénélope désormais ? Se concentrer sur ses études à l'institut, qu'elle a rejoint en cette rentrée? Ou bien se laisser tenter par de nouvelles aventures amoureuses, comme par exemple avec Joachim, Janice Abric, comme nous vous le rapportions plus tôt dans la semaine? Début de réponse dès ce soir, et du lundi au vendredi à 18h30 sur TF1.